Bonjour et bienvenue sur NetProf avec Will & Co-Cook. Nous allons vous présenter une nouvelle recette. Eh bien bonjour, moi c'est Wilfried, je vais vous présenter la recette des verrines concombre et poire. Pour cette recette, il va vous falloir un concombre, deux poires bien mûres, si ce n'est pas la saison, vous pouvez prendre des poires en sirop, d'une échalote, un peu de vinaigre balsamique, un peu d'huile nature ou alors de l'huile d'olive, selon votre préférence, quelques brins de ciboulette et de la crème fraîche. Nous allons pouvoir commencer la Dans un recette. premier temps, vous allez prendre l'économe et vous allez peler le concombre d'une rangée sur deux. Une fois que c'est fait, vous coupez les extrémités et vous le recoupez en trois tronçons. Là, vous le coupez en deux. Et alors, ce que je vous conseille pour enlever toute la partie avec les pépins au milieu, c'est de prendre une petite cuillère et là, vous allez gratter directement. Ensuite, vous allez couper dans le sens de la longueur des fines lamelles. Puis, vous allez couper des petits carrés. Vous mettez tout ça dans le saladier. Continuez l'opération avec tous les autres. Ensuite, vous allez prendre la poire et la peler également. Vous enlevez la base. L'autre oignon. Et vous allez également découper cette poire en petits cubes. Une fois que c'est fait, vous mettez tout dans le saladier. Vous allez maintenant ciseler la ciboulette. Vous mettez la ciboulette avec le reste de la préparation. Vous allez mettre 6 cuillères d'huile. Deux cuillères de vinaigre. Du sel.
un peu de poivre que vous allez mélanger l'ensemble. On passe maintenant à la sauce pour l'accompagnement. Vous allez prendre l'échalote, la pelée, et ensuite vous allez l'émincer. Excusez-moi, je pleure un peu. Donc, vous allez mettre l'échalote dans un petit ramequin. Vous allez rajouter par-dessus la crème fraîche. Vous salez un peu, vous poivrez, donc là vous le laissez reposer comme ça au frais, et au moment de dresser vous allez préparer en fait vos petits ramequins et verrines. Vous allez prendre votre petit ramequin. Vous mettez un peu de préparation, de concombre et de poire. Et vous allez recouvrir avec une cuillère de crème. Et voilà, les verrines sont prêtes. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en nous recherchant à Will & Co Cook et devenir membre de la fanpage. Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette et à très vite.